Et salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne des jeux en solo. On se retrouve aujourd'hui pour la petite présentation et partie commentée de Mini Rogue, le jeu du moment de chez Nuts. Voilà, donc je vais vous présenter le jeu tout en faisant une partie. Voilà, comme ça, deux vidéos en une et ça sera beaucoup plus clair. C'est un jeu solo ou coopératif où vous allez incarner un aventurier qui, salle après salle et étage après étage, va s'enfoncer petit à petit au cœur du donjon à la recherche du sang d'Og, un artefact légendaire à l'aura chargée de mystère. Chaque zone du donjon est composée d'une grille de cartes salles. Donc vous avez le donjon ici, les cartes salles sont au milieu. Lorsque vous faites face à deux salles, vous devez en choisir une et l'explorer. Pour résoudre une rencontre, vous devez faire un choix, lancer les dés ou encore utiliser vos ressources afin de poursuivre l'aventure. Dans chaque salle, vous pourrez rencontrer un monstre, trouver un trésor, découvrir un campement, éviter des pièges ou faire face à de nombreuses autres surprises. Chaque étage se termine par la rencontre avec un terrible gardien que vous devez terrasser afin de poursuivre votre périple vers la prochaine salle. Vous remportez la victoire en atteignant la toute dernière salle du donjon et en anéantissant, pardon, le dernier gardien pour enfin mettre la main sur le sang d'Og. Allez, on va s'enfoncer un peu plus profondément de ce donjon. Alors, on va d'abord commencer par la présentation du matériel. Alors ici, vous avez le donjon. Le côté gauche, vous avez le donjon avec les étages à franchir. Donc là, pour le donjon, vous allez aller de haut en bas. Donc on va descendre de plus en plus bas. Et de l'autre côté, ça c'est le contraire, vous allez gravir une tour. Vous allez commencer en bas et monter. À droite, vous avez les PV des monstres. Avec votre petit cube, lorsque vous allez tomber sur un monstre, vous allez noter ses points de vie ici. Donc pour cette partie, on joue sur le donjon. Voilà, donc il va falloir le but, ça va être de passer tous ces étages et d'aller jusqu'au 10 et de vaincre le dernier monstre pour récupérer l'artefact. Ici, vous avez les différentes salles que vous allez franchir. Il y a 8 salles, mais vous n'allez pas toutes les faire puisque vous avez une limitation de mouvement. Vous ne pouvez vous déplacer que de gauche à droite et de haut en bas. Pas de retour en arrière, attention. Donc choisissez bien. Ici, ça va être le passage d'un étage à l'autre ou d'une salle, je sais pas comment on peut appeler ça, parce que là il parle d'étage et là on a quand même deux niveaux. Donc on va changer les niveaux ici. Et lorsque l'on va tomber ici avec le petit symbole du crâne, vous allez tomber sur un gardien. Donc les gardiens, vous allez en trouver un sur chaque étage. Donc ça, on verra plus en cours de partie comment ça fonctionne. Ici, vous avez votre plateau de joueurs avec toutes les statistiques liées à votre personnage. Alors moi, j'ai choisi le croisé. Vous avez quatre personnages en tout. J'ai fait deux parties avec le mage et le rogue. Et là, je me suis dit, on va faire un nouveau. Donc le croisé. Vous avez l'image ici avec ces statistiques que vous mettez sur votre plateau ici. Donc il commence avec 10 points de vie, une armure et 4 de ration. Vous avez totalement la possibilité de, lorsque vous allez tomber sur une salle qui va vous donner des PV, d'augmenter ces PV même s'il est parti à 10. Par contre, vous ne pouvez pas avoir plus de PV qu'indiqué ici. Pareil pour les autres statistiques, vous ne pouvez pas aller au-delà du plateau. Chaque personnage dispose de deux capacités ici à utiliser, soit pour le combat, soit l'exploration. Tout est noté, c'est simple. Donc par contre, la capacité pour le combat est à utiliser avant d'attaquer. Donc réfléchissez si vous voulez l'utiliser ou pas. Et ensuite, vous avez l'exploration. Une fois que vous avez utilisé une capacité, vous retournez votre carte. Vous allez tomber sur des salles qui vont vous permettre de restaurer votre personnage et de la retourner. Comme ça, vous pouvez réutiliser votre capacité.
Alors attention, si vous en utilisez une, ça va automatiquement retourner votre carte, donc l'autre, vous ne pourrez pas vous en servir. Donc choisissez bien le bon moment pour les utiliser. Alors dès le début de la partie, vous allez avoir à votre disposition deux dés. Le dé blanc représente le dé du personnage et le dé noir du donjon. En cours de partie, vous allez pouvoir récupérer d'autres dés lorsque vous allez passer certains niveaux ici. Par exemple, si vous arrivez à 6 d'XP, vous allez passer au niveau 2 et vous allez récupérer un dé blanc. Pareil si vous atteignez le niveau 3. Vous n'avez droit qu'à 3 dés au maximum. Vous allez avoir aussi en cours de partie, peut-être, et j'espère pour vous que non, récupérer ces 2 dés. Lorsque vous allez croiser une créature ou une salle, enfin n'importe quelle salle, peut-être qu'ils vont vous obliger à vous donner ces dés que vous allez mettre dans votre réserve. Ici, vous avez le dé du poison. Lorsque vous allez lancer et tomber sur cette face, vous allez perdre un PV. Ici, c'est le dé de malédiction. Et quand vous allez tomber sur cette face, ça va vous enlever un point sur le résultat de vos dés. Donc, vaut mieux les éviter. Mais ne vous inquiétez pas, si vous arrivez à choper des potions, si vous avez de l'eau bénite, vous allez pouvoir justement supprimer ces dés. Et pour terminer, vous avez une carte ici avec un côté fantôme et un côté récompense qui va vous être demandée en cours de partie. Le fantôme, bon, ça sera dans l'une des salles, mais les récompenses, c'est lorsque vous allez vaincre un des gardiens. Voilà, donc j'ai fait le tour de tout le matériel, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est plutôt pas mal. C'est un bon jeu avec pas grand-chose. Maintenant, on va partir à l'aventure, donc plus profondément. Et on va commencer, hein. Allez, c'est parti. Alors, dans Mini Rogue, vous avez trois phases de jeu. La première phase, c'est la phase de préparation, où vous allez mettre en place les différentes salles. Révéler ensuite la première salle. Donc, comme je vous ai dit, c'est toujours la première en haut à gauche. Donc, votre personnage arrive dans cette salle. Ensuite, sur le plateau au donjon, si la zone actuelle a un gardien, révélez la carte gardien dans le coin inférieur droit. Donc là, comme on commence la partie, on commence à l'étage numéro 1 et le premier niveau. Donc le premier niveau, vous voyez qu'il n'y a rien, donc rien ne se passe. Par contre, quand je vais changer de niveau, il y a un gardien, donc il va falloir que je rende visi je rendre je rends pardon, je vais y arriver. Visible le gardien. On y verra quand j'y serai. Donc ça, c'est la phase préparation, donc elle est déjà prête. Ensuite, vous avez la phase d'exploration. Vous allez résoudre les cartes salles où se trouve votre personnage. Une fois que la salle est résolue, vous allez révéler les deux cartes adjacentes. Donc ça sera celle-ci et celle-ci. Et ensuite, il va falloir en choisir une des deux. Comme je vous ai dit, pas de déplacement en arrière ni en diagonale. Et vous allez répéter ces différents déplacements jusqu'à ce que vous arriviez à la dernière carte ici. Et puis ensuite, là, on va passer à la phase de descente. Donc vous allez changer de niveau. C'est marqué d'ailleurs sur le dos de la carte ici. Vous allez dépenser une nourriture. Et oui, ça donne faim, toute cette exploration. Vous allez retourner ici les cartes. Si toutefois votre carte était retournée, vous la mettez face visible. Et ensuite, vous déplacez votre cube ici pour changer de niveau. Vous récupérez toutes les cartes qui sont posées, toutes les cartes sales, qu'elles soient face visible ou encore cachées. Et vous allez les mélanger avec les cartes qui n'ont pas été utilisées pour créer un nouveau niveau. Donc voilà. Pour les séquences du jeu, maintenant on va y rentrer plus précisément. Je pense que vous attendez que ça. Donc allez, ben on va commencer. Alors là, on commence par la salle trésor. Donc une salle se présente comme ceci. Vous avez le nom de la salle avec son icône ici. La plupart des cartes vont vous demander
un test de compétence avec ce symbole ici. Un test de compétence, c'est pas compliqué. Vous avez à lancer les deux dés, ou plusieurs dés si vous avez réussi à gagner d'autres dés. Et ensuite, vous devez réussir ce test. Pour réussir, il va falloir faire soit le 5, soit le 6. Vous voyez qu'ils sont entourés d'une étoile, contrairement aux autres. Donc, ça veut dire que vous avez réussi et vous allez pouvoir gagner ce qui est en bas. Si vous tombez sur un autre chiffre, c'est perdu. Si vous tombez sur cette croix, c'est un échec. En cours de combat ou même pour le test de compétence, c'est un échec. Donc, les salles trésors, par contre, et certaines salles, vous allez avoir ici dans la petite bande des ressources que vous allez gagner automatiquement, hein, sans faire de test ou quoi que ce soit. Donc dans ce cas-là, comme c'est une salle de trésor, vous allez gagner des pièces. Vous avez ici deux possibilités. Soit vous gagnez une pièce, soit si vous avez déjà rencontré un piège ou un monstre, vous allez pouvoir gagner trois pièces à la place. Là, comme c'est le tout début, évidemment, on n'a rencontré personne, donc je vais gagner simplement une pièce. Je déplace mon petit cube sur 1. Ensuite, je vais faire mon test de compétence pour savoir qu'est-ce que je gagne. Donc, je lance mes 2 dés. Et là, c'est une réussite puisque je tombe sur le 5. Ensuite, pour savoir ce que je gagne, vous regardez le dé donjon et vous regardez le chiffre ici correspondant. Donc là, j'ai fait 2 et le 2, ça me fait gagner 2 pièces. Donc, j'augmente ici. Voilà, ma salle est finie, je peux passer aux suivantes. Alors, comme je vous ai dit, on avance toujours de gauche à droite ou de haut en bas, donc on retourne les cartes qui sont adjacentes. Ici, j'ai deux choix. Soit je pars affronter un monstre, soit je vais au feu de camp. Donc ça, c'est libre à vous de faire ce que vous souhaitez en fonction de vos besoins. Le feu de camp vous propose trois choses. Soit vous pouvez aiguiser votre arme, donc vous gagnez un XP, soit vous allez chasser, donc vous allez gagner une nourriture, soit vous pouvez vous soigner pour 2 PV. Sinon, on peut essayer de combattre le monstre. Alors là, vous avez la carte générale avec le nom et le dessin, mais en fonction de l'étage où vous vous trouvez, vous allez combattre tel ou tel monstre. En fait, les différents monstres sont représentés ici. Donc là, on est au premier niveau, premier étage, premier niveau. Donc on va combattre un rat géant qui va avoir 6 points de vie. Alors vous voyez ici qu'il y a un joueur et deux joueurs. Donc c'est en fonction si vous jouez tout seul ou à deux. Donc en solo, vous allez regarder que le côté gauche. Ici, ce sont donc les points de vie du monstre. Ici, ce sont les dégâts qu'il va vous donner. Et ici, les récompenses si vous réussissez à le vaincre. Donc, alors, comment est-ce qu'on part déjà sur le rat géant? Il n'a que 6 points. Il va me toucher pour 2, mais il ne me provoque rien. On peut essayer, ça vous montrera, voilà. Sachant que si je vais là, je ne pourrai pas aller là ensuite, hein, parce qu'après, on va descendre comme ça ou comme ça. Donc lui, c'est fini. Après, je peux retomber sur une autre carte identique, bien sûr, mais... Donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir. Alors, de la bouffe, j'en ai déjà. Je suis déjà à fond, donc j'en ai pas besoin. Soigner, je pourrais me reprendre 2 pour être tranquille, ou alors me gagner de l'XP. Hein, je rappelle que l'XP, ça permet d'avoir ici au niveau 6, enfin, d'arriver quand vous arrivez à 6 d'XP, de gagner un dé supplémentaire. Donc ça c'est important, c'est même très intéressant de pouvoir avoir plusieurs dés pour combattre. Sachant que là si je gagne, je vais en gagner aussi. Donc allez, on va pas chipoter, on est courageuse, on va aller affronter le rat géant. Alors comment se passent les combats? Alors si vous voulez utiliser la compétence de votre personnage, vous l'utilisez tout de suite avant de lancer vos dés. Les attaques, c'est toujours vous qui commencez. Donc, si vous ne voulez pas l'utiliser, vous la gardez, il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous allez simplement lancer les dés. On lance les dés. Hop, oh ben ça commence bien, vous ne portez pas chance. Donc là, c'est un échec. La croix, c'est un échec cuisant.
Donc, ben, moi, voilà, il se passe rien à mon niveau. Et lui, il a fait un 6, donc c'est une réussite. Il faut savoir que lorsqu'on fait un 1, il ne gagne, ce n'est pas une réussite, c'est un échec. D'ailleurs, nous, notre dé, il n'y a pas de 1, on a directement une croix. Lui, par contre, il a le 1. Donc, s'il fait 1, il ne nous touchera pas. Et là, par contre, il nous touche à 6, et ça, c'est plutôt mauvais signe. Lorsqu'il fait ce 6, en fait, il va passer à travers votre armure. De 2 à 5, il va vous toucher, mais si vous avez de l'armure, ça va bloquer les dégâts. Mais à 6, l'armure ne servira à rien. Donc là, évidemment, il a fait un 6, donc il va me toucher de 2. Hop, donc je baisse ici 2. Et le combat va s'ensuivre comme ça jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meure. Donc, on va relancer les dés. Vous pouvez utiliser votre compétence si vous ne l'avez pas encore fait. Libre à vous. Hop. Alors, j'ai fait un 3 et un 4. Alors, comment ça se passe? Parce que j'avais commencé par un échec. Tous les chiffres, en fait, sont des points de dégâts que vous lui faites. Donc là, je le touche pour 3. Ah, j'ai oublié de mettre son niveau ici. Donc, il est à 6. Voilà. Donc, je le touche pour 3. Hop, donc il descend à 3. Ensuite, lui, c'est à son tour de me toucher. Il fait 4, donc c'est une réussite pour lui. Donc il va me toucher pour 2 points de vie. J'ai une armure, donc il me touchera que une fois. On continue parce qu'il lui reste encore un peu. Oh, mais non, j'ai pas de chance. Encore un échec. Donc moi, il se passe rien de mon côté. Lui, il fait un 5, il réussit et me touche encore pour 2. J'ai toujours une armure, donc hop, il me touche que pour 1. Et bon, on continue. Je voudrais pas descendre trop bas quand même. Ah, ben là, je fais un beau 5. Donc, étant donné que il est à 3, je touche à 5. Donc là, je le tue. C'est magnifique. Lorsque vous avez réussi à le vaincre, vous gagnez la récompense qui est marquée à côté. Ici, c'est un point d'expérience. Voilà. Donc là, c'est fini pour le premier monstre. On découvre les prochaines. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un piège et un ermite. Alors, l'ermite, qu'est-ce qu'il me propose? Alors, le petit symbole bouclier ici. En fait, c'est pour rafraîchir les cartes, votre carte personnage qui est face retournée. Bon, là, c'est pas le cas, mais voilà, il y a des cartes quand même qui le permettent. Donc, c'est un coup de chance en fait, selon sur les cartes que vous tombez. Alors, lui, il vous propose de l'aider. Vous perdez un point d'expérience pour gagner 3 pièces. Ou alors, je partage un repas, je perds une nourriture pour gagner 3 points de vie. Ou alors, j'utilise le tunnel pour échanger 2 cartes. Alors là, j'avais bien baissé en nourriture, en PV, et j'ai la nourriture à fond. Je vais peut-être. Ah oui. Et j'ai un piège en bas. Alors, les pièges là me font gagner des pièces. Et je vais perdre de l'XP si je perds. Alors les pièges, vous voyez qu'il y a le symbole ici de compétence. Donc il va falloir que je fasse un test de compétence. J'ai qu'un dé. Donc c'est vrai que c'est pas évident de tomber justement sur un 5 ou un 6. J'ai plutôt récupéré des points de vie. Donc je vais aller voir l'ermite ici. Je vais partager mon repas. Je suis plutôt gentille. Donc je perds un de nourriture pour gagner 3 points de vie. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il va me falloir un peu de la vie au bout d'un moment. Donc là c'est résolu. On continue. Donc là il n'y a que cette carte puisque je peux que descendre. Et on tombe sur une sépulture. Alors, la sépulture, ça me dit quoi? Vous allez avoir un test de compétence ici pour pouvoir gagner une des choses qui est ici. Sachant qu'il n'y a pas que du positif. Hein. Et vous voyez ici que je peux tomber sur des rats ou sur le fantôme, ici. Alors, par contre, le test que vous réussissiez ou pas, vous allez quand même résoudre la sépulture ici.
La seule différence, c'est que vous voyez, vous avez un plus et moins un. Ça veut dire que si vous réussissez votre test de compétence, vous avez la possibilité de rajouter un ou d'enlever un au dé du donjon, selon sur quoi il va tomber. Si vous réussissez pas votre test, vous gardez le résultat du dé de donjon. On va voir ça tout de suite. On va lancer les dés. Donc là, ce n'est pas une réussite, évidemment. Donc je n'aurai pas la chance de pouvoir modifier le résultat. J'ai fait 1 et le 1 c'est de l'eau bénite. Ça va, c'est du positif. Donc j'ai gagné de l'eau bénite. Je déplace un petit cube sur l'eau bénite. Alors l'eau bénite, elle permet d'annuler plusieurs effets. Donc l'effet de malédiction, de poison, d'aveuglement, d'affaiblissement. Enfin, il me semble que les potions font pas mal, enlèvent pas mal d'états. En fait, ouais, le poison, la malédiction et l'aveuglement. Voilà, ça enlève trois choses. Donc, là, c'est fini. Donc, maintenant, j'arrive à la dernière carte ici. Comme c'est pas, je suis sur un niveau qu'il n'y a pas de gardien, je vais sur la carte comme ceci, je ne la retourne pas. Je fais ce qui est marqué en bas, c'est-à-dire je perds une nourriture. Je retourne les cartes si elle était retournée. Et je change ici de niveau. Hop. Quand on change de niveau, on récupère toutes les cartes. On les mélange au reste des cartes. Et on va recréer un niveau. Et cette fois-ci, on va avoir un gardien à combattre à la fin. Hop. Donc on commence toujours la première salle là-haut et on va retourner le gardien ici et c'est la goule. Voilà, comme ça déjà on peut voir ce qu'elle nous fait pour essayer de nous préparer et peut-être faire des choix qui peuvent être plus utiles pour le combat. Alors là on arrive sur un piège. Oh, c'est bien, on commence bien. Alors, le piège, test de compétence, on y va. On y va, on y va, on y va, on y va. Oh, punaise, c'est un échec. Et le dé de donjon affiche 5, donc le 5, c'est le labyrinthe. Et ça me fait perdre 2 XP. Déjà, j'en avais qu'un. J'ai plus rien, ça commence très bien. On continue. Alors là, on a une carte un peu particulière. Le corbeau, vous allez pouvoir le mettre dans votre main si vous décidez de le prendre. En fait, vous avez deux choix. Soit vous perdez une pièce, soit vous dépensez une nourriture pour récupérer la carte. Le corbeau va vous apporter deux compétences qui peuvent être utiles aussi. Donc ça, c'est au choix. Il y a le courant d'air et le survol, qui sont utilisés donc le premier au moment de l'exploration et le survol au moment de la préparation. Sinon j'ai un corridor. Alors corridor, j'ai un test de compétence à faire. Alors par contre ça annonce pas grand chose de bon parce que soit il se passe rien, soit je gagne une nourriture, ou sinon je me paye un moins 2 avec une chute. Alors ça c'est pas bon. Quand vous avez le symbole de chute, on descend un peu plus vite que prévu les étages. Et soit je tombe sur le fantôme. Donc là, ça ne me dit pas trop rien. Je pense que je vais aller sur le corbeau. Alors, nourriture, je suis à 2. Ça m'embête un peu. Je vais perdre une pièce. Simplement. Voilà. Il aime bien en général les corbeaux. Ah non, c'est les pies, mais les corbeaux aussi, peut-être. Ils aiment bien ce qui est bruyant. Donc je vais lui donner une pièce. On continue. Alors, on a une caverne humide et un chasseur. Alors, le chasseur, lui, en fait, c'est un marchand. Il va vous permettre d'échanger des objets contre de l'argent. Donc, tout est noté ici. Donc, ici, quand vous avez le symbole de l'escalier, en fait, c'est en fonction du niveau où vous vous trouvez. Enfin, de l'étage, plutôt. Pas confondre. De l'étage. Je suis à l'étage numéro 1, donc ça sera une pièce pour gagner une de nourriture. Et etc. Je ne vais pas tout décrire en détail. Vous avez le choix aussi de perdre
un bouclier pour gagner 4 pièces ou perdre une potion pour en gagner 2. Pareil au choix. Donc ça peut être intéressant, mais tout dépend à quel moment il arrive. Sinon, il y a la caverne humide. Alors, la caverne humide, elle peut apporter des choses bien, mais des choses moins bien. Je vais tenter. Alors, parce que j'ai pas énormément de pièces, donc là, ça va rien me faire du tout. Je vais partir là-dessus, en espérant avoir une réussite pour modifier le dé, et ce n'est pas une réussite. Et je tombe sur le 6. Eh ben, j'ai pas de chance, parce que je tombe sur le poison. Voilà, c'est des champignons empoisonnés, en fait. Donc, je récupère le dé du poison et il va aller dans ma réserve et je vais le jeter. Je vais le jeter avec mes lorsque je vais les utiliser. Alors, par contre, j'ai de l'eau bénite. Que alors, les potions, en tout cas celles qui sont en dessous, vous avez soin, eau bénite et perception. Vous pouvez les utiliser à n'importe quel moment de la partie. Et celles du haut, vous avez du feu, du givre, du poison. Ça, c'est à utiliser lors des combats. Toujours pareil avant de lancer vos dés. Donc là, j'ai de l'eau bénite, je vais utiliser cette eau bénite pour m'enlever le poison. Hein, je rappelle que le poison, ça enlève des PV à chaque fois que vous allez tomber sur la face poison. Alors, je préfère pas. Voilà. Alors, on continue. On se rapproche de la goule tout doucement. Mais je gagne pas bien d'XP là, je vais pas aller loin. Hein. Alors, je tombe encore sur un marchand, donc qui ressemble beaucoup au chasseur d'ailleurs. Ils ont fait la même tête. Ou alors un sanctuaire. Alors, le sanctuaire, lui, il faut lancer uniquement le dé de donjon. Et vous avez la possibilité de faire une offrande de une pièce pour pouvoir modifier le résultat du dé donjon.